Coucou les petits loups! Nous venons d'arriver là au camping de bébé de Talouine. Je vais vous le présenter et là je suis en train de me rendre compte à nouveau que l'image est à l'envers. Mais bon, on avait essayé pourtant de faire un tas de choses, ça avait tenu un petit peu. Et puis là, c'est reparti. Bon ben, tant pis, ça ne vous empêchera pas de voir ce camping. Il y a un peu de vent. Mais bon, j'espère que ça va aller au niveau du son. Là, nous sommes à quelques minutes à pied du centre-ville. Il y a la coopérative de Safran, pas très loin. Donc, vous voyez, l'entrée est un peu raide là. Hein, je vais vous montrer. Hop, donc là, il y a la route. Et ici, il y a la descente là. C'est un petit peu raide, mais bon, avec la remorque, on a pu passer sans encombre. Donc, une fois franchi le portail, vous avez à gauche un premier parking avec notre vie de nomade à qui on dit bonjour. Bonjour! Vous avez la réception juste là devant. Il n'y a pas grand monde là. Je veux dire, on est quasiment seul. Il y a un camping-car là qui vient d'arriver. Alors, juste ici sur votre droite, là, vous avez l'auberge, dont l'auberge de Safran, dont le propriétaire est également propriétaire du camping. Donc là, nous avons été accueillis tout à l'heure par Ali. On a eu droit au thé. C'était super gentil, super sympa. Donc là, les emplacements, bon, c'est relativement large. Bon, il n'y a rien de délimité. Il y a des prises. Il y a une vingtaine de places en tout. Hein. Donc, vous voyez, les prises sont ici. Juste là, dans les fleurs, dans la verdure. Alors, la nuit, c'est 50 dirhams sans les services, quoi, sans l'électricité. Et avec l'électricité, il faut compter 20 dirhams supplémentaires. Donc, 50 dirhams, un peu moins de 50 euros. Pardon, 50 euros, oui. Un peu moins de 5 euros. Donc là, vous avez l'eau pour faire le plein. En tout cas, c'est un camping récent. Donc, il est en cours d'aménagement. C'est super bien fleuri. Alors, par ici, on descend aux douches et aux toilettes. Donc, un petit tour dans les sanitaires. Hop, ça. Donc, les toilettes, toujours ce bleu. Voilà, donc c'est propre. Le lavabo, la glace. Coucou à ceux qui regardent. Coucou les petits loups. Ici, vous avez... Hops. Allez, je découvre en même temps que vous. La douche. La douche ici. Hop. Vous pouvez voir, c'est propre. Hops. Et là, on ressort. Donc, je vais vous montrer maintenant l'endroit pour faire la vaisselle. Donc là, il y a l'évier. L'évier, un robinet, la poubelle. Le chauffe-eau est juste là-haut. Et donc, pour prendre une douche chaude, il faut prévenir Ali qui vient mettre la petite chaudière en route. Comme ça, vous avez de l'eau bien chaude. En tout cas, c'est sympa. Là, il y a un petit paravent, vous voyez, en bambou. C'est chouette. Ici aussi. Ensuite, oups, bonjour. Pardon. Bonjour. Là, vous avez le... Deuxième emplacement, donc c'est un étage plus bas. Et là, c'est pareil, il y a de la place et tout. En tout cas, on est entouré par les montagnes et c'est magnifique. Franchement, toujours ce ciel bleu. Par contre, ce matin, il faisait un peu frais. Mais bon, là, ça s'est bien remis. Alors, ensuite ici, il y a la vidange pour... les eaux noires, juste là.
avec le robinet. Donc toujours ces plantations. Là, il y a la maison du gardien. Voilà, là on remonte sur le premier palier. Donc vous voyez, il y a deux paliers. Donc il y a à peu près une dizaine de camping-cars qui doivent rentrer là par palier. Ça monte là. Hein. Et voilà. Donc là, on revient ici. Et vous voyez là, c'est super tranquille. Franchement, il y a la route qui est juste là, au-dessus. Juste là, ici. Mais bon, il n'y a pas trop de circulation là. Ça va. Allez, un petit aperçu d'en. Hops. Ça voyait un peu la vue qu'on a. Donc là en bas, pour faire la vaisselle. Et là-haut, regardez un peu. Je laisse encore admirer cette montagne-là. Comment c'est chouette. Vous voyez, c'est super. Bien de faire. M'avait accompagnée dans ce petit tour du camping à la Bonne Étoile. Et c'est encore une fois, c'est vraiment chouette. Alors, ma note pour ce camping, bah écoutez, ce sera un 8 sur 10. Voilà. Par contre, je vais vous emmener maintenant faire un petit tour du côté de la remorque et je vais vous montrer un peu ce que Khalid a fait. Et c'est vraiment, en tout cas, nous, ça nous plaît beaucoup. On s'approche un peu. Donc ça, c'est une face de la remorque. Regardez un peu comme c'est chouette et tout. Il y a vraiment le souci du détail. Je vais m'approcher un peu là pour vous montrer les palmiers avec les fruits. Donc là, il y a la petite oasis, là, le petit point d'eau. Puis vous voyez, il a fait les palmiers qui se reflètent dans l'eau. Il y a la tente là. Regardez la tente berbère avec les trois berbères à l'intérieur. C'est vraiment criant de réalisme. Les dromadaires. Regardez ça, il y en a un debout, deux couchés. Les petites biquettes derrière. Et puis l'arbre, l'arganier. Regardez comme c'est fait. Franchement, c'est... Bravo Khalid. Franchement, c'est... T'as fait là un travail, mais superbe. Vraiment un travail d'artiste. C'est trop, trop pointu là. Franchement, bravo à toi. Maintenant, je vais vous montrer l'arrière. Il me semble que vous l'aviez vu terminer l'arrière, mais je vais quand même vous montrer. Regardez voir. Détails avec la casbah. Regardez un peu ces détails de fou. Le berbère là qui promène ses deux dromadaires. Regardez ça un peu. Comment que c'est chouette. Et maintenant on va juste passer. Oups, ça glisse. De l'autre côté. Et là, je vous montre l'autre face de la remorque. Là, c'est pareil, regardez les palmiers, toujours ce souci du détail, c'est vraiment impressionnant. Regardez, je montre ça de près. Là, le dromadaire avec son petit bébé, c'est vraiment chouette. Regardez ça, c'est vraiment super. Vraiment, nous, ça nous plaît beaucoup. Regardez, je vous montre encore un peu la derrière. Belle soirée à tous et à très bientôt. Bisous à tous les petits loups. Ciao, ciao.